Et bonjour à tous et à toutes, c'est Kidosot 666 pour l'épisode 2 de Separate Ways. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, ça fait très longtemps que j'ai commencé ce let's play, pour ceux qui se poseraient la question. Ça fait plusieurs mois, 2 mois à peu près, que j'ai pas tourné le let's play de Resident Evil 4. Donc il faut savoir pour info que je sais plus ce que j'avais prévu exactement. Enfin, ce que j'avais dit récemment, enfin dans les épisodes précédents, sur ce que je voulais faire dans cet épisode, mais c'est pas vraiment important. Faudrait que je m'en mette dans le bain, parce que moi mon objectif de ce soir c'est de faire pas mal de tournages, c'est en fait 3 jours par semaine. J'ai pas mal de tournages à faire dans 3 jours. 3 jours toutes les 2 semaines plutôt. Donc il faut bien. Du coup, je sais plus ce que j'avais fait aussi dans l'épisode précédent par rapport à ce que j'ai acheté à ce mec-là. Donc, bah j'ai réinitialisé. Moi j'ai refait. Bah, je m'attendais pas. C'est un peu caillou! Et merde. J'avais le TMP avec elle ou pas? Ouais, je l'ai. Cool. De toute façon, là j'ai acheté la mallette, la carte au trésor. Alors là, niveau précision, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu console. Plusieurs semaines. Bon, les deux, on va arrêter de se mentir. Dernièrement, j'ai fait pas mal de. Bah, Shadow Warrior, j'ai tourné 3 épisodes au moment où je vous parle. Et surtout Battlefield 1. Depuis hier, hein, là on est le 21 octobre, donc je l'ai depuis le 20 sur PC et putain qu'est-ce que c'est bon. Ça pue la pipi de lapin. Ouais, parce que j'ai toujours les lapins. Hein. Un classique, les lapins. C'est mieux quand il n'y a pas de loup ici quand même. Oh putain, ça c'est relou. Ah mais même une grenade flash ça va servir à rien. Mais oui, Battlefield 1 ça marche pas très bien. Une vraie tuerie ce truc. Vraiment, j'ai halluciné. Je me suis fait Gears 4 qui m'a excellemment bien surpris. Pour son optimisation déjà principalement, alors qui est tout simplement une des meilleures optimisations que j'ai jamais vues sur PC. Parce qu'il faut savoir que mon PC c'est 970 et que ma télé est 4K. Alors regarde ça. Wow, c'est quoi cette attaque? Attendez, j'avais pas toute ma vie ou quoi? J'ai une télé 4K et du coup je me suis dit, parce que je la faisais avec Gag, j'ai fait le jeu avec Gag une échelle. Et on s'est dit ça serait pas super sympa de se le faire en 4K. J'ai dit par contre en 4K, bon, je te le dis tout de suite, on va oublier les 60 FPS parce que j'ai beau avoir un PC quand même assez puissant. Le 4K 60 FPS, tous ces joyeusetés, on va oublier, on va juste essayer de le mettre déjà en élevé. Non, j'avais commencé en ultra pour voir si en ultra on arrivait à dépasser les 20 FPS. Donc je le mets en ultra. Il y a un ennemi là. Tout ce qu'il y a de plus logique. Et on lance le jeu en 4K sur la télé. Qualité graphique de ouf, hein, il faut le dire. Là, on était assez halluciné. Mais là, on était halluciné, c'était que le jeu était hyper fluide. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le jeu indiquait 20 FPS. Mais on était persuadé d'être à beaucoup plus. Genre vraiment pour nous il n'y avait aucun doute. On n'était pas du tout à 20 FPS, on était au moins à 30 FPS. Ou alors c'est peut-être le fait d'être sur une télé qui varie, parce que moi j'avoue. Généralement je suis sur un écran d'ordinateur, là par exemple je suis sur un écran d'ordinateur. Donc peut-être que la télé ça varie énormément là-dessus, mais que ce soit. Enfin lui il a plus l'habitude de jouer sur une télé et pour lui on était clairement pas en. Enfin, quand le jeu indiquait 22, 23 FPS, là oui, on était plutôt d'accord avec le jeu. Là, il n'y avait pas photo, il ramait sa mère.
Mais par contre, quand il indiquait 25 FPS, en fait, entre à 22-23, il y avait de sacrées saccades qui étaient vraiment visibles et dérangeantes. Mais à partir de 25, il n'y en avait plus du tout. Et je pense pas que ce soit une image par seconde en plus qui rende le tout hyper fluide. Parce que c'est pas non. Après, c'est vrai que Gears, c'est pas un jeu où il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Enfin, je sais pas comment dire. Où la caméra bouge beaucoup, on va dire. C'est surtout là-dessus. Genre les FPS, qu'on est à 25 FPS, c'est très pénible. 30 FPS, ça va encore. Mais c'est vraiment très léger. Moi, je me souviens, après Far Cry 3 à 20 FPS à peu près. C'est pas le meilleur souvenir de ma vie de gamer, hein. Ça on peut le dire. Je crois que j'ai oublié un trésor. En tout cas, on a bien kiffé. Alors là, du coup, j'étais grave fier de pouvoir faire tourner Gears 4 en ultra 25 FPS. Même si, enfin, le jeu disait 25, mais moi je pense qu'on était à 30. Et de temps en temps, j'étais à 60. Hein. Alors là, quand ça passait à 60, j'étais encore plus halluciné. Il est mort ? Aussi simplement que ça ? Il reste 3 chapitres, normalement 2 épisodes c'est réglé, après j'aurai le temps de commencer le let's play de Bioshock 2. Pas de Shadow Warrior, de toute façon en ce moment j'ai pas trop envie de faire du Shadow Warrior. Donc, parce que là en fait en ce moment dès que je touche un clavier et une souris, c'est pour jouer à Battlefield. Hein. Là je vous avoue que si j'avais pas tous ces épisodes à tourner, là je serais en train de geeker comme un gros porc sur Battlefield 1. Enfin Battlefield 1, qui est hallucinant, mais vraiment ce jeu, déjà bah voilà, graphiquement en solo. En multi, bizarrement, j'ai plus de mal. Alors, par rapport à la bêta, je sais qu'en ultra, en multi, j'étais stable à 90 FPS. Là, je suis à 60 FPS et je suis pas stable, ça dépend les maps. Mais oui, ça dépend les maps. C'est vrai que la map de la bêta était un peu plus facile à gérer. Par contre, le solo, on était, je suis sur du 60 FPS constant. Hein. Vraiment, je suis descendu à 58 ou 57 sur tout le solo. En ultra, tout à fond, anti-aliasing et tout. En 1080p. J'ai juste désactivé. Non, j'avais activé en plus la synchronisation verticale. Parce que pour ceux qui savent pas, la synchronisation verticale. Oh, des flèches. Bah non, mais il y a un trésor dans cette. Ah non, c'est pas, non, c'est sur le lit. La synchronisation verticale capte les FPS à 60. Donc j'avais juste désactivé pour voir et je montais à 70, je crois. Ouais, bon. C'est pour ça que des fois vous comprenez pas, genre un jeu qui est censé tourner grave bien, vous êtes à 60 FPS. Bon, en même temps, qui joue avec un. Enfin, qui joue avec un écran 144 Hz à part les joueurs de CS ? Personne. Donc du coup, voilà. Mais en gros, voilà, la synchronisation verticale va caper à 60 FPS votre jeu. Donc si vous voulez voir vraiment la puissance de votre PC par rapport à ça, bah y a rien de plus simple. Hein. Il suffit juste de. Sauvegarder la partie déjà. C'est juste de désactiver la synchro. En plus, ça prend des ressources. Et généralement, les cartes graphiques n'aiment pas du tout faire des synchros verticales. C'est pas bon. Donc concrètement, désactiver là, je vous le recommande pour à peu près tous les jeux. Hein. Je suis content qu'il m'ait raté lui. Par contre, cette arme est grave puissante. Hein. Faut pas tirer en continu, hein. Faut juste presser de temps en temps le. Non, c'est pas ça que je vais faire, on se verra. Je sais pas s'il y a le suplex avec elle, je sais plus, je crois pas. Hein. Là, il y a un deuxième marchand. Je crois que j'ai au moins gagné peut-être 20, 30 000 là. On va juste vérifier qu'il n'y ait pas de petite étoile. Pas de petite étoile. De toute façon, le chapitre est bientôt fini. Enfin, du coup, je suis bientôt à la fin du chapitre sur la carte. Ça se trouve, je vais finir dans cet épisode. De mémoire, ça durait pas 2 heures, c'est pareil, Twice quand même. Je sais que après y a deux boss et putain ils rigolent pas. Ils rigolent pas du tout, il y en a un qui m'avait bien traumatisé quand j'étais petit. Là normalement il y a un serpent dans une de ces deux caisses. Non, voilà. C'est dans celle-ci. Et ben non, c'est seulement du côté de Léon. Moi je confonds tout. Welcome! Guns are rare stuff. En fait je vais le faire en un seul épisode, je pense. Enfin, sauf si je vois que le 4 est vraiment long. Voilà, j'ai 48 000. On est bien. Bientôt l'arbalète. Bah là, avec le truc que je vais vendre, je suis pas très loin de l'arbalète.
Putain, je suis à 2000 de l'arbalète. On va attendre. On va attendre. J'ai pas envie de sacrifier des soins ou quoi sur l'hôtel de l'arbalète. Voilà. Maintenant, on est encore plus près de l'arbalète. Ah, merde, mais non, fallait pas avancer, t'es con. Comme une impression de déjà vu. Ok, on va peut-être avoir un décès. Assez imminent d'ailleurs, je pense. Oh putain, j'ai des yeux. Oh, quoi qu'en fait. Eh merde. Ouh. Passé ça? J'aime pas les bombarder comme ça parce qu'en vrai, niveau économie de munitions, c'est pas ça. Mais par contre, toi, on va te régler autrement, mon vieux, parce que j'ai plein de balles de plein de trucs qui t'attendent. J'ai assez pour acheter l'arbalète, du coup. Ah, fait chier, il m'a montré son. Et il va pouvoir sortir là. Monte-moi ton dos. Ah bah non, eh. Ah, j'arrive pas à toucher la cible. Ça va, deux balles. Bon, là, on va largement avoir de quoi. C'était en plus, c'était juste pour l'argent. Hein. Y a pas de clé ni rien. Hein. J'arrive pas à viser la tête. Ah bah tiens, quelle surprise. Ah oui, le pistolet aussi, maintenant ça serait bien que je le récupère parce que il fait quoi comme dégâts lui? Deux, mais c'est pas terrible, quand on voit les dégâts du pistolet, on se rend compte que le TMP en deux balles il fait plus de dégâts que mon pistolet. C'est plutôt gênant. Ah, il faut que je mette un truc dans le coffre aussi, le trésor. Ok, donc en fait non, l'épisode va être beaucoup plus long parce que là maintenant je vois que je peux retourner. Oh, ok, faut que j'aille là. Mais oui, il y a un trou dans un truc, donc je peux passer avec. Et je vais acheter l'arbalète du coup. Oui, avec le trou qu'il y a, je peux complètement aller à l'endroit où on fait passer Ashley pour qu'elle nous ouvre la porte en fait. Welcome. Comme quoi ce jeu est cohérent, quand il met. Putain, en fait, j'ai pas eu tant de trucs que. Ah, si, j'ai le rubis. J'ai le rubis. C'est comme il n'y a pas optimisé, hein, on peut tout acheter, hein, y a pas de soucis. Hein. Ah putain, j'avais oublié qu'elle avait une forme chelou comme ça. Putain, et il n'y a pas tant de place que ça dans mon bazar là. C'est bien un sac à main de femme ça. Y a deux, je devrais avoir moyen en mettant le snipe comme ça. Hop. Je devrais pouvoir dégager. Attendez, c'est quoi? C'est 3 sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il faut que je dégage tout ce qu'il y a. J'ai plus qu'une place. Attendez, mais peut-être que je pouvais combiner aussi. Bah, il a tout réarrangé. Ah non, en fait, c'est juste que j'en avais deux. Ah, on dirait pas, hein, la gestion de l'inventaire. C'est un peu piégeux. Il y a des ennemis là maintenant? Oh, c'est toi. Voilà. Je vais dire un chat. Je crois qu'il y a un mec qui m'attend là.
blague. Je vais pas avoir des balles de flingue, ça va pas faire long. Ouais. J'avoue que le fusil à pompe, je vais peut-être le vendre. Hein. Aïe, salaud. On va utiliser ça. Bon, après on va arrêter avec le TMP cheaté, j'ai bientôt plus de balles. Donc il est toujours aussi puissant. Voilà. Je crois que d'ailleurs c'est comme ça que j'avais réalisé qu'on pouvait aller là. C'est quand j'ai fait séparer Twist pour la première fois et que j'ai du coup. Je me suis dit peut-être qu'avec. Non, genre surprise de merde, toi t'es pas mal. Hein. Bon, après le fusil à pompe, j'avoue que celui-ci c'est quand on est vraiment au corps à corps qui est très puissant. Oh, j'aurais pas dit. Je peux même pas mettre cette grenade et voilà, j'aurais pas dû du coup. Tant pis. Comme c'était trop. Je les laisse tranquille. Hein. Bon, normalement, le sablier, je peux pas le vendre. Hein. Si je le vends, ça serait un peu étrange. Étant donné que le but c'est de le mettre dans le. Je pensais pas qu'on pouvait gagner autant aussi vite. Je pensais pas que j'allais acheter l'arbalète dans ce chapitre. Pour moi, l'arbalète on l'a acheté dans le. Au moins chapitre 4. Bon, je vais pas m'en servir l'arbalète, hein. Je vais économiser toutes les balles pour le prochain boss. Sauf si j'en oublie un dans ce chapitre. En fait, j'étais bien obligé d'aller là. C'était pas facultatif. Je vais bientôt finir le niveau. Et je pense pas qu'ils durent tous 20 minutes, puisque déjà j'ai mis 1h15 à faire les deux premiers. En même temps. Ah, je vous ai pas dit, mais. Ah, d'accord. Sorry, but I can't be seen with you. Ah oui, mais c'est quoi cette arnaque? C'est quoi ce piège? Je crois que le pire c'est que Léon dans l'histoire il se doute de rien quoi. Bon. Genre là Léon il est à côté, il y a ça qui se passe mais lui rien à battre hein. Allez bim, 100 balles de TMP, la meilleure arme du jeu. Enfin, la meilleure arme de ce mode. C'est aussi la meilleure. Globalement je pense que le TMP c'est la meilleure arme non spéciale du jeu parce que faut savoir qu'avec elle vous pouvez avec le personnage de Hunk. Qui est le personnage le plus, à mes yeux, le plus puissant en mercenarisme. Parce que justement, il a le TMP. Et en fait, Hunk. Au lieu d'avoir un coup de pied comme bah, Ada et. Et Léon par exemple, lui il a une technique où il dénuque le zombie, ça le one shot. Sauf que c'est juste de tirer une balle dans la tête que l'ennemi titube et vous appuyez sur le bouton et ça fait le taf. Donc là il y a un trésor que j'ai oublié. Donc à la fin du tour on va y retourner. Bon c'est pas un trésor combinable, est-ce que c'est vraiment important, je ne sais pas. Mais moi je. Oh le roule. Bah. Je crois que je peux pas aller là, si je vais là c'est game over ou quoi, genre Léon vous a vu.
Hashtag vous êtes nuls. Bel échiquier. En plus, c'est les mêmes trésors que Léon. Enfin, c'est marrant, ils ont même pas pu créer de nouveaux trésors. Non mais voilà, et du coup, Hunk avec le TMP, c'est... Vous rendez compte que chaque balle de Hunk peut tuer un zombie. Du coup, c'est le personnage le plus simple pour faire les 5 étoiles. Son seul défaut, c'est qu'il a que ça, je crois, quand même. Donc du coup, si vous utilisez toutes vos munitions, vous êtes dans la merde. Et en plus, comme il y a des boss en mode mercenaries, enfin des ennemis spéciaux, genre des hommes à la tronçonneuse, etc., etc., ou les ennemis aveugles, enfin... Voilà, je crois que c'est la fin de cet épisode. Léon. Léon. Got it. Petite référence à Alien tellement sympathique. Pour plein de points, c'est une référence à Alien. Ouverture du torse, le fait que l'alien attaque avec sa queue comme ça. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Pour moi, c'est que là, concrètement. Stay with me, Lois. I am a researcher hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Concrètement, il aurait pu me tuer et il aurait pas eu tous ces problèmes. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lois! No es posible. Tu eres mi amigo. J'ai pas parlé espagnol. Je crois que j'ai pas fait de faute. Hein. Tu eres ou tu es? Je crois que c'est eres. Ah voilà. Je me disais, je vais pas skipper la cinématique parce que je pourrais rater. I found Louise. Unfortunately, a bit too late. Did you retrieve the sample? No. Sadler has it. There will be another time. Have you had a chance to eliminate Leon? Not yet. If that's the case, then maybe we can capitalize on his little lucky streak, take advantage of the distraction he is causing for Sadler and his followers to retrieve the sample. Fin du chapitre! J'ai eu 53 ennemis dans ce chapitre. Bon, pour le moment, on est à peu près à 50 ennemis tués par chapitre. Jack Krauser has been the subject of extensive study and research by the organization. His skills and personality have been tested both on and off the battlefield. If he weren't the best, he would become a liability that would jeopardize the rest of us. My conclusion? He's a great soldier. No more. No less. As long as he's well compensated, he shouldn't cause any problems for us. If he does start to get restless, I can take care of him. I've studied his combat style and can deal with that arm of his if necessary. Okay. Krauser answers directly to Wesker, and it was Wesker who decided that Krauser should be sent to spy on the cult. He also decided to send me along. I wonder if it wasn't to keep an eye on Krauser. No doubt, Krauser has already fallen to the temptation of Las Plagas and the power they represent. This could have dire consequences for the organization. On some level, however, this may be a necessary development, as his role is to disrupt this farce of a play. That said, the stage and its players will ultimately come crashing down in the end. Bad luck for him. But he'll play the patsy in the end and take the fall for all of us. That's why I need to make sure things keep going exactly as they are. Peut-être que je me suis trompé. En fait, le boss que je pensais être celui de l'épisode du chapitre 5, c'est celui de l'épisode 4. C'est possible, hein.
C'est vraiment possible que je me sois planté dans ma tête. Non, je pense que je vais... On verra. Non, mais de toute façon, ça serait pas logique de faire. Même s'il dure une heure. Enfin, si. S'il dure une heure, ça serait chiant en fait. Je pense que les chapitres sont vraiment courts. Hein. Je pense que dans cet épisode, c'est réglé. L'épisode durera peut-être 1h20, 1h30, grand max. Mais c'est jouable. Je me demandais, fallait que j'appuie aussi. Putain, mais c'est relou de se taper les mêmes cinématiques. Sauf qu'on a la fin. Enfin, on a la suite. Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Je crois que ce chapitre-là, on fait un chemin qui est pas du tout dans le jeu de base. Alors, il y a peut-être pas que 5 chapitres, il y en a peut-être d'autres. C'est ça en fait, on n'est pas du tout dans le jeu de base. Enfin, on est à l'endroit en fait qu'on fait avec le camion. Bon, on va l'acheter hein. Normalement, j'ai tout vendu hein. Pas du tout. Salut les gars. Ça s'est fait. Ah, balle. Bon, écoutez, hein, c'est ce que ça veut dire. De mémoire, ce chapitre est pas facile. Oh, je vais pas m'emmerder avec ça. Je crois que c'est le seul chapitre. Non, non, en fait, les deux derniers chapitres, on va à des endroits qui sont pas dans le jeu de base. Mais c'est vrai que les trois premiers, bon, c'est que des endroits qu'on connaît, quoi. Déjà, je vois même pas où est-ce que je dois aller. Ah d'accord, en fait, c'était pas du tout dans cette pièce. 5 balles de snipe, c'est plutôt sympa. On va pas cracher dessus. Oh, et salut! Je vois aussi que j'oublie. Envie d'Arden à tes couilles. C'est la musique qui a fait ce bruit là. Toujours avoir une arme rechargée au maximum déjà. Parce que comme ça, même si ça vous laisse des trous, enfin comment. Même si vous aviez pas assez de munitions pour la remplir à fond. Justement, ça permet de libérer de la place. Et ça, c'est jamais dégueu. En fait, c'est...
C'est dans le chapitre 5 où il y a les deux boss. Alors pourquoi je tire tout dans le vide avec le TMP? Parce que si je commence à essayer de viser la tête, certes je fais plus de dégâts. Mais il bougerait beaucoup plus et je tirerais beaucoup plus de balles à côté. Donc dans le vide c'est plus efficace, c'est plus rapide. C'est tout bénef. Sauf que bon, non en fait c'est pas du tout tout bénef, vous perdez des balles. J'ai pas assez? J'ai pas assez de place là? On va sortir son petit sniper. Je suis perdu dans les menus par contre, hein. Ça. C'est pas super agréable. C'est pas le plus agréable. Petit bleu velours. Non, je me trompe de touche. La carte, s'il vous plaît. Alors ça, c'est une mauvaise... Ouh, j'ai failli me prendre une patate dans la gueule. Patate dans la gueule. Parfait ça, 52 TMP. Je demandais pas tant. Bon, par contre, ça je m'y attendais pas. One shot, ok. Ça fait toujours plaisir. Oh, faut pas oublier les petits. Alors là, il faut absolument pas oublier les petits trésors. Ah, parce que là, le lynx. S'il fallait pas oublier. Ah là, là, le lynx doré, c'est le trésor qui vaut le plus d'argent du jeu. Là, on est où à peu près? Parce que donc là, il y aura une autre zone. C'est obligé. Parce qu'il y a un trésor complétable. Alors, peut-être pas par chapitre, mais il y en a un dans le premier chapitre, un dans le deuxième qui est complétable. Dans le troisième, il n'y en a pas, c'est vrai, mais du coup, je pense que là, il y a une autre zone derrière. Désolé, le visage me gratte. Ouais, voilà. Ah, mais il n'y a pas de trésor non plus. Si ce chapitre est long, je crois qu'à partir de là, le jeu devient long. Ouais, ouais, si, ça devient très long, en fait. Je ferai bien deux épisodes. Hein. J'arrêterai au bout d'une heure et je referai un autre épisode derrière. C'est de mémoire, ça... Voilà, ouais. Ouais, ouais, je me souviens, c'est la galère. Bon, ça va, je m'en sors très bien pour le moment. Ok, niveau visé, c'est pas trop ça. Je sais pas si je peux les détruire au bout d'un moment ou... Thank you.
pas l'eau. Putain, j'avais pas vu l'échelle, elle était là avant. Bizarre. Attendez. Les enfants, j'ai des petites surprises pour vous. Ça c'est fait, mon grappin. J'avais pas où est-ce qu'il fallait que je regarde pour mon grappin. D'artillerie. Ah oui, d'accord, c'est logique. J'en mets un truc, on descend et quand on remonte, il y a plein d'ennemis qui nous attendent. Vu la distance, ça, ça me paraît un peu plus judicieux. C'est vraiment au moment où on descend. Alors là les gars, par contre c'est pas très malin ça. Bah non. Ok, non, c'est moi qui suis pas malin. Arrête-moi tes putains de flèches. Easy peasy lemon squeezy. Alors je me fais ça parce que comme ça j'augmente ma vie petit à petit, hein. C'est pas dégueulasse. Même si là en effet j'avais pas forcément besoin d'utiliser un aussi gros soin. Alors par contre, oui, bah aussi dans les deux épisodes de... Mets-toi là, ça je vois pas. Dans deux épisodes de Shadow Warrior, j'ai pas de caméra. Je sais pas pourquoi, la webcam s'est dit non, je vais planter en plein milieu de l'épisode. Je vais pas me plaindre, déjà soyons heureux que ça n'ait pas fait planter le tournage vidéo. Ça n'a que fait planter la caméra, mais voilà, j'ai peur qu'elle me fasse le même coup maintenant sur chaque tournage. Donc... Bon moment, elle tient en moi. Je pense que ça a l'air vraiment peut-être de Shadow Warrior, c'est possible hein. Parce que j'ai pas eu de problème avec Dark Souls 3 non plus donc... ...17 balles encore, ok, ça c'est bon. Sérieusement. C'est bon, on a compris. C'est pas tant la merde que ça. Alors, une roquette, je fais autant de dégâts moi. Thank you.
Allez, quand c'est fini, c'est fini, hein. Je crois que c'est l'heure de ressortir son TMP, chérie. J'ai combien de... J'ai que 15 flèches. Je suis même pas sûr que ça suffise pour faire tout ce que je veux avec. Et pourtant, je m'en sers pas. Je m'en sers pas de mes flèches. Je ne tire encore aucune. Vous savez même pas à quoi elle sert, l'arbalète. D'ailleurs, j'appelle ça des flèches, mais ce sont des carreaux, hein, bien sûr. Pourquoi on tire pas dans la tête avec cette arme? Au niveau économie de munitions, c'est pas trop ça. J'ai quoi là comme balle qui me reste? 51, 131 en tout. Mais ça par contre. Oh non! C'est réglé. Easy peasy! Le sifflement, c'est dans la vraie vie ou c'est juste dans le jeu? Non, c'est dans le jeu. Le jeu siffle. Bien entendu, toutes les munitions, sauf mon arme fétiche. Ah oui, c'est dans le jeu, hein. Je viens de faire pause, on s'en rend bien compte. C'est quoi que je voulais voir? Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ah si, c'était là où je voulais aller. Trésor. Pas de trésor. Hein. Got some rare. Welcome. Got a selection. What are you selling? Normalement, j'ai rien à vendre. L'argent ne sert à rien sauf à être économisé pour refaire le jeu avec la mitrailleuse lourde qui coûte 300 000 dans celui-ci alors qu'elle coûte 1 million dans... Oh, ça me fait chier. Oh, ça m'emmerde. Voilà. C'était rentable. Mais c'est relou là pour aller chercher le trésor. Peut-être, peut-être. Oh, si, il y a une tête qui me sort. Non. Ouh, ça c'était gratuit, ça. J'ai mal fait mon esquive. Faut que je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de soins. Hein. Vous me faites chier. Vous me faites chier. La caméra se perd un peu, ça c'est vraiment navrant. Ok. J'aurais utilisé encore une de mes super.
Oh là là. Ouh, c'est timing serré là pour soigner. Voilà. Ah là, le coup de la dynamite m'a bien fait mal. Bon bah voilà, j'ai la pervers du jugement, on va la combiner tout de suite. Non, c'est pas triangle, arrête de faire de la merde. J'arrête mes conneries par contre avec mon TMP là, j'ai bientôt plus de balles et je risque d'en avoir besoin, surtout je continue à tirer à côté comme ça avec cette arme-ci. Moi je dis ça, balle de TMP quoi. Le jeu est généreux. Non, je veux que tu te mettes à jeu. Mais... si t'allais me... tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis en plein sur sa tête là. Décède, s'il te plaît. Petit headshot des familles. Putain, balle de TMP, mais le jeu il a tout compris. Le jeu il a tout compris comment... Oh voilà le jeu. Trop gentil quoi. Alors, j'ai compris que le pistolet c'était de la merde. Ça c'est bien. Ok. Vous allez décider tous les deux en même temps, s'il vous plaît. Attends, je vais t'apprendre à acheter une hache correctement. Toi, tu vises et tu tires. Tu vises et... Alors ça par contre je suis désolé mais c'est un scandale quoi. Une balle de snipe ça suffit mais 4 balles de cette arme ça suffit pas, c'est n'importe quoi. C'est... Ah, c'est qu'il est long ce chapitre. C'est qu'il est long ce chapitre. Là, c'était un peu étrange, on va dire. Putain, encore des flèches d'arbalète, c'est bon ça. Ouh, je vais devoir virer un truc pour mettre mes flèches. Non, en fait, j'ai besoin de virer rien du tout. C'est un jeu qui est pas du tout rangé. J'ai tellement de marge encore. Faut que j'appelle. Arrête d'appeler ça des flèches. Par contre, ce sont des carreaux d'arbalète. Il va falloir se respecter soi-même à un moment ou à un autre. Donc là, dans les escaliers, il y en a un. Ok. Par contre, niveau munitions, je commence à être vraiment rad en fait. À ce moment-là, il y a des munitions de bouffe. Ok. Alors, soit c'est dans les escaliers, mais je pense pas. Soit c'est en dessous des escaliers. Oh putain, ils m'ont fait peur. Ah, vraiment! Premier coup de flip, je crois, de tout le PC en Z4. Vas-y donc. C'était plutôt rapide pour cela. Non mais c'est quoi ce délire? Ok c'est bon, j'ai... Bon j'ai tous les trésors donc ouais, j'avais raison. J'avais raison. J'avais dit que c'était plus long que prévu. Ouais, qui va me rapporter grave de la maille. Là par contre je vais pouvoir être... Oh non, ça va. Parce que là en fait il aurait pu me frapper et vu ma vie j'aurais pris un peu trop cher. À mon goût.
one shot carrément. C'est pas le genre de la bête pourtant. C'est pas du tout le genre d'ailleurs. Très agréablement surpris. Bon bah voilà. Oh, je vais le dernier, je vais le faire quand même derrière, je vais enchaîner. Hein. Ils sont en train de se battre, on va juste aller récupérer le bleu lourd. Non ! Je viens de me faire rouler par le jeu. Je sais pas s'il y a de QTE avec Ada, je crois pas. Putain, je m'y attendais trop pas. Ça, c'est vraiment la mort con, ça. Oh, la mort trop con. Au moment où je vais pouvoir récupérer le bleu velours. Ah, je m'y attendais pas. Mais en plus, c'est logique. Mais j'avais complètement oublié que dans le genre de cinématique, il allait avoir ça, quoi. Bon, du coup, ce coup-ci, je zappe la cinématique jusqu'au QTE, parce que sinon, ça va être lourd. Enough talk. Die, comrade. Ada. This bitch in red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? C'est assez dur à dire inelectable death. Inelectable, je sais pas. More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Allez, dernier chapitre, je le fais dans celui-ci. Bah, une mort, du coup. J'étais encore jamais mort. Leon S. Kennedy, perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved. Cette planchette japonaise. Practically a genius. He has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here. Though it may be naive of me to think that'll be easy. Okay. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place. And make this all go smoothly. C'est bon? Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. Ok. Bien sûr, malgré cet échec du décès de Léon. Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. I
either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Ouais, si, en fait, il est super long ce chapitre. En même temps, non, ça, c'est assez rapide à faire. On verra bien. Quoi, j'ai plus de place pour ça? Mais si, j'ai de la place. Bah, c'était pas l'objectif, mais je vais juste faire ça en fait. Qu'est-ce que t'as à me vendre de particulier pour ce chapitre, à part la carte au trésor qui va me servir à rien? Ah, mallette XL. Ah, oh, j'ai pas assez, non, quelle horreur. Mais non, je déconne, je vais juste de faire. Oh là, maintenant on a de la place. Alors. Ça, je crois que ça se fait vite, hein, vraiment. De toute façon, voilà, comme je dis, l'épisode il sera long, c'est pas grave. C'est plus comme si maintenant, pour moi, envoyer une vidéo c'était un problème en fait. Faut que j'arrête de me focaliser à faire des épisodes d'une certaine taille. Allez, remets-nous ta petite tête. Donc ça, c'est une surprise que j'attends. Je n'attendais pas cette surprise. Ça va, il tire tout dans le mur. Il va pas me toucher. Pour la prochaine fois, t'apprendras à viser, ok? Et tu décèdes. Merci. Bah du coup, vu que j'ai cumulé ça sans le vouloir, ça va. Bien, on va faire style, ça m'arrange. Je crois que le pire, c'est que ça a tué le mec qui était super loin, quoi. Ça c'est pour ma gueule, non c'est bon. Il va falloir être à droite. Ouh. La tête c'était un bonus hein. Dernière balle. Dernière balle, l'objectif c'était pas de la rater. Moi je perds juste les munitions qu'il y a là, en plus je crois qu'il y a une grosse scène après. TMP ça c'est tout bénef. Dis adieu à ta tête. Non, adieu à ta tête. Des fois je me trompe, pardon. Est-ce que j'ai au moins ne serait-ce qu'une balle de TMP pour les gars là-bas? Oui. Ah, ça en a tiré deux cette poisse. En même temps il était pas rechargé mon TMP. Et là, c'est la putain d'action à la merde. Parce que du coup, on est coincé là-dedans le temps que la porte elle s'ouvre. Et ça, je croyais que c'était dans le niveau de Léon en fait. Et non, c'est pas du tout dans celui de Léon. Là, c'est le moment où je lui dis, j'espère que t'as bien économisé tes munitions. Parce que alors là, tu vas en avoir besoin. Vous êtes sérieux là? Attendez, j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à vous dire. Allez vous faire foutre. Tu vois, c'est dans un endroit hyper restreint. Le jeu, il me donne quoi? Des putains de balles de snipe. Toi tu dois te mettre à genoux, moi. Bon, ok. Toi tu vas jouer aussi.
Vous vous m'emmerdez. Oh non, sa mère. J'étais trop rapide sur la... Ultra relou en vrai. Je crois qu'avant je vais être obligé d'utiliser le snipe. Oh tu m'emmerdes. Je commence à ta cour de balle là, respectez-moi un peu. Oh pardon. Alors, voilà, merci. Alors, c'est bon parce qu'après, bon c'est pas tout mais il y a des ennemis méchants en fait. J'ai pas le temps de faire ça dans l'économie, mais quand même, faut pas pousser. Faut pas pousser une petite balle, ça fait deux tués. Autant que ce soit une balle d'une arme qui en a plein. Oui, ça va vite. Moi je dis 1h30 l'épisode. Ça, si je veux continuer à m'enculer. De toute façon, c'était soit je tirais deux balles dans le corps, soit une dans la tête. Du coup, j'ai perdu un peu de balles. Ah, des balles de TMP, ça par contre, j'aime bien ça. Oh, les trésors, j'ai pas regardé les trésors. Merde. Merde, putain, j'ai raté un trésor. À moins que, peut-être par un miracle. Peut-être que par un miracle, je peux faire demi-tour jusqu'au début. Ah, ça serait fou quand même. À perdre du temps. Miracle ou pas miracle? Ah non, il y a toujours les flammes. Oh sa mère. Merde, 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 pas miracle. Pas miracle du tout d'ailleurs. Oh bah trésor raté, tant pis. De toute façon, je sais pas, j'ai plus besoin d'argent là. Parce que les nouveautés que le jeu nous propose, c'est en début de chapitre. Bon, tant pis. Ah, ça me fait chier. Pas de miracle là, du tout. Sur l'ennemi, s'il te plaît. Merci. Toi, c'est fusil à pompe que tu vas te prendre dans le fion. Ça va te faire tout drôle. Putain, mais faut que j'arrête de me tromper tout le temps de bouton. Alors, là, c'est nouveau. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Parle comme ça. Merci pour le TMP, ça va être très utile. Le fusil à pompe pistolet, c'est vraiment les deux armes qu'il faut que j'utilise le plus parce que c'est de la merde, on va pas s'en servir. Et sniper sur cet enculé. Salaud. C'est un enculé. J'ai pas dit assez fort. Oh. Ça va, 3 balles. C'est limite gratuit. Quatre mille. Ça
fait un scandale. Putain, faut qu'il ait résisté. Je suis vraiment surpris qu'il ait résisté à ça en fait. Ah, et 4000 alors que l'aveugle, je crois que c'était juste 2 balles. Pour 21 balles, alors 21 balles, j'utiliserai pas toutes, hein, malheureusement. Et dans la tête, c'est combien? Mais t'es plus résistant que ton pote, toi. Bon, pas de beaucoup, mais quand même. J'aime pas trop ça. C'est moi qui ai boyat matard du coup. Hein? Ah putain, regardez, c'est un trésor quand même, on va pas cracher sur tous les trésors. Parce que j'aimerais du coup. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il fallait compléter. Il y a 4 trésors, donc c'est forcément un truc à compléter. J'aurais bien aimé savoir lequel c'était. Vu qu'on a fait lynx dans le précédent. C'est peut-être les couronnes. Non, les couronnes, il en faut que 3, je crois. Quoi qu'un les couronnes. 1. Ouais, les couronnes c'est qu'en 3, donc c'est pas la couronne. Je sais pas ce que ça peut être. Oh, des balles de snipe. Il y a des ennemis ici. Oh, le pré-shot, eh. Salaud. Tu méritais pas que je sorte le pistolet pour toi. Alors toi, tu vas regarder ailleurs avec une mitraillette. Je veux pas prendre de risque. Hein. Lance-roquette, on prend pas de risque, ok. Que s'est-il passé? Bah. Les Américains sont fait botter le cul comme au Vietnam. Non mais moi j'espérais concrètement que vous me donneriez ce truc gratuitement quoi. Oh cette enculade. Non sérieux? J'ai juste one shot. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Les têtes volent apparemment. Mais c'est quoi ce délire? Hein? Depuis le début, il faisait pas ça le pistolet quand je tirais dans la tête. D'habitude, les gens ils s'en foutaient. Après, il faisait j'ai une graine. Et ouais, j'avais juste envie de dire, mais normal, t'as 10 grammes de plomb là dans le crâne. Forcément, ça donne mal à la tête. Le plomb, c'est un métal lourd. Hein. C'est très mauvais pour la santé. C'est quand Léon et moi on va faire connaissance. D'ailleurs Léon m'a laissé des carreaux d'arbalète, il est vraiment gentil. Léon, you okay? Yeah. Ça a pas l'air. T'as de beaux yeux, tu sais. Et... tes coups dans les couilles, ça calme son homme. C'est comme ça qu'il faut vous défendre si on essaie de vous violer, mademoiselle. Petit coup dans les couilles, et après vous le tabassez, puis qu'il arrête de respirer, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter de le tabasser. Et appeler une ambulance et la police. Et espérer que le jury soit sympa avec vous, du coup. En France, c'est merveilleux. Si l'agressé, si la victime, on va dire, met l'agresseur dans un mauvais état, un état plus mauvais que le sien, c'est la victime qui va en prison. Et ça, je trouve que c'est beau. Non, je déconne, ça me rend dingue. Ça me rend dingue quand j'entends des histoires de gens qui se sont fait agresser, qui ont tué leur agresseur pour se défendre, et c'est eux qui vont en prison. Alors moi, je sais pas comment ça marche. Hein. Welcome. Enfin, je veux dire, logiquement, quand quelqu'un agresse quelqu'un, donc c'est lui qui met la personne en danger. Enfin, l'agresseur met la victime en danger, du coup. D'une certaine manière. Et je crois que j'ai raté un trésor. Ouais, j'ai encore raté des trésors. En fait, j'en ai plus rien à battre des trésors. Donc, c'est l'agresseur met la victime en danger. Mais si la victime, pour se sortir en danger, met l'agresseur en danger, c'est la victime qui est en tort. À un moment, je veux dire, tu vas pas non plus te laisser faire tabasser, violer, slash tuer. Je veux dire, tu te défends.
Mais ça, la législation française, non. C'est-à-dire que, pareil, le mec vous attaque au couteau. Il vous attaque au couteau, vous le désarmez, vous lui enlevez son couteau. Vous avez plus le droit de vous défendre. C'est-à-dire que le mec, concrètement, faudrait jeter le couteau ou le manger, je sais pas, en tout cas faire un truc pour que lui ne puisse pas le reprendre et vous agresser avec. C'est concrètement l'agresseur, à partir du moment où il vous agresse, il n'en a plus rien à battre de respecter la loi ou pas. Tout ce qu'il veut, c'est vous agresser, c'est-à-dire. Alors, on va éviter de décéder tout de suite. Parce que balancer un décès sur le fait de j'ai raté un QTE, passe encore. Mais juste un vrai décès, ça, non, ça passe pas. Enfin bref, c'est pas le sujet. Fusil à pompe. TMP, sniper. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Ah, je pouvais en créer un autre carrément direct derrière. Ah, moi, ça me rend dingue. Et tout ça pour dire, voilà, si les filles, quelqu'un essaie de vous violer, mais pétez-lui la gueule jusqu'à ce qu'ils arrêtent de respirer. Comme ça, vous êtes sûr qu'il fera pas d'autres victimes. Que j'aime pas les violeurs et les fils de pute. Au grand détournement. Il est encore vivant. Et putain qui va être chiant. Oh, Krauser, I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Petite culotte. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Petit combat de la mort. Petit combat relou. Petite roulade. Et petit KO. Voilà comme ça. Il est comme ça. It one shot. Non là je vous dis, concrètement on n'est pas dans la merde. Hein. On est plus que ça parce que. Alors en plus, le pire dans cette histoire, c'est que moi, Wesker, bon, je l'aime bien. Wesker, non. Cet enfoiré, je l'aime bien. Mais le problème avec cet enfoiré, c'est que j'ai pas de magnum ce coup-ci. Et non. Attends, il y a un truc qui est quand même bizarre. J'ai utilisé des soins. Parce que là, niveau soins, je suis dans la merde. J'en ai que 3 en fait. Hein. Il va falloir faire ça propre. Hein. Donc ça c'est pas propre. Ça c'est pas propre du tout. Oh merde. Je vais me soigner parce que, comme je dis... Allez hop, déjà un de fait. En plus j'ai le temps de recharger, parfait. Bah je viens, attends. Parfait, c'était le bon QTE au bon moment. Alors là par contre tu vois l'avantage. Bon, je sais pas ce que j'évite mais je l'évite. Ah putain mais j'entends. Pendant ce temps là Léon se bat en bas mais c'est trop bien. C'est à dire que Léon n'a pas du tout entendu le combat au dessus de sa gueule. Oui, désolé, je te respecte pas vraiment parce que tu vois, j'utilise contre toi l'arme que je critique depuis le début du jeu. De là à me dire que c'est vraiment un manque de respect envers toi, il n'y a qu'un pas. Je comprendrais que tu... Une petite esquive ? Pas ma gueule. Charger. Pour la dernière étape, je vais être sympa, ça va être TMP dans ta gueule. Je sais pas si c'est la dernière étape en plus je dis ça, mais peut-être que je me gourre.
cas, à chaque fois, nos petites arènes entre amis se rétrécissent et c'est plutôt relou. Mais ça fait mal! C'est pas très poli ça! Quoi déjà? Merde, j'ai oublié de prendre les balles de snipe. J'espère que j'aurai le temps. Je crois que non, de la cinématique. Et voilà. Alors voilà, épreuve extrême en cas de viol, vous lui tirez une balle dans la tête, c'est réglé. Et encore une fois, c'est vous qui tirez en prison, je veux dire. En France, hein. Je pense qu'aux États-Unis, vous avez le droit. Bon. Moi, comment dire? En vrai, je suis plutôt pas mal. Parce que j'ai beaucoup de balles de... Beaucoup de flèches. Beaucoup de flèches. Oh oui, TMP. Et non pas TP. Ouh putain, j'ai failli prendre le lance-grappin et alors là, c'était la catastrophe parce que lui n'a absolument rien de plus intéressant à proposer. Donc concrètement, j'ai rien à lui vendre, je crois, non, j'ai rien à lui vendre. Putain, j'ai encore loqué. Donc, j'ai encore raté des trésors. C'est-à-dire que là, concrètement, à part celui-ci, donc voilà, c'est le dernier trésor du jeu, j'ai failli le rater quand même. Voilà, et donc là je saurais, c'était la lampe papillon, avec ses yeux bleus, les yeux rouges et les yeux verts, qui rapporte 32 000, donc voilà. Et ben, je suis navré, hein, on verra, j'ai totalement foiré tout ce qui était lié au trésor dans ce chapitre. Voilà, et on va faire le dernier boss du jeu, du coup, parce que après ça sera fini pour cette espèce. Je suis plutôt fier de moi de l'avoir fini aussi rapidement. J'ai encore le temps de tourner deux vidéos, que je ferai du Bioshock 2 du coup. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Genre ça fait mal. Là concrètement, ce boss là, je sais qu'il est super violent. Ouais, ça va se décomposer en plusieurs plans. Mais oui, le TMP c'est la meilleure arme que tu peux avoir du jeu, on l'a compris ça. Non, c'est vrai, c'est vraiment la meilleure arme du jeu. Voilà, là, il va s'attaquer à moi maintenant. Donc premier plan, on bombarde le TMP dans sa gueule. Ok, c'est pas bon signe. C'est dégueulasse ça. Donc tout ce que je te tire, tu peux me le renvoyer dans la gueule. Bah écoute, je te montre mon plan de secours. Je te montre mes boobs. Ça explose direct. Raté.
Maintenant, c'est le moment de fuir, parce que là, je me dis que peut-être, avec du soin, je serai plus à l'aise. Non, alors, s'ils donnent des munitions, c'est que les balles, ça fait des dégâts. Bah non, j'ai esquivé. C'est au chat que j'ai. Je prends des dégâts, genre je suis à 1 HP, d'un coup, il y a un prêt de premier secours à mes pieds, quoi. D'accord, ça je veux pas l'esquiver moi. Oh mais non, mais ça c'est relou moi, j'aime bien quand il y a des petits QTE qui me permettent d'esquiver tous les dégâts que le jeu me fait. Bah ouais. Il est où? Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Mais non, mais je l'avais esquivé ça. Bon là, niveau santé, je suis un peu dans la merde. C'est-à-dire que j'ai plus qu'un seul soin. En même temps c'est relou mais ça me permet de retirer tout de suite derrière. Ouais ça c'était débile. Oh non 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 non. Lâche-moi, enculé. Ok je suis mort. Non mais en fait ce boss va être juste trop relou quoi. J'ai 300 pour faire tout le boss. On va faire direct full arbalète. De toute façon c'est la meilleure arme du jeu. Des balles là en plus. Il a fait caca. L'arène est pourrable en fait. Ce boss est pas terrible et il est chiant parce qu'il est grave puissant du coup. Et il y a ça qui est inesquivable. Hein. Sinon, va bien te faire voir. Ah, c'est intéressant ce délire. Concrètement, est-ce que j'ai pas un peu de me niquer niveau soin? Non, je viens de me rajouter un soin. Un soin pas terrible, mais c'est quand même un soin de plus. Donc c'est pas rien, parce que là, du coup, j'ai un double soin. J'ai 4 soins. Ok, alors là, niveau réflexe, j'étais au top. Tellement été au top qu'en fait en vrai tout ce que je voulais faire c'était lui tirer dessus. Ouais, là, il y a une erreur de manipulation au niveau des touches, ok? Faut pas m'en vouloir. Je t'emmerde. Allez fais chier, je prends encore des dégâts débiles. Si je tire, donc on va éviter. Putain, j'ai pas esquivé ça. Par où est-ce qu'il va apparaître? Je t'emmerde. Oh, est-ce que ça serait pas le moment? Genre le moment de sortir ma flèche et de la foutre dans la bouche? Comment ça? Comment ça t'en as rien à battre? T'es un petit enculé en fait. Oh, j'étais censé l'esquiver ça monsieur. C'est pas très fair play. Tu me ressors déjà ta bouche, c'est bon? Pas très fair play. Il me reste combien de soins? Ok, 2. Mais arrête de me toucher à chaque fois que je fais une esquive au dernier moment. Ça c'est très puissant ça. Ça veut dire que t'es mort? 1h30, c'était l'objectif. Voilà. Fini l'assignement Ada. Il me restera plus qu'à me faire bouffer par le monstre du lac et à finir le genre professionnel. J'ai fini le truc. Oh!
Ah oui, c'est vrai qu'il nous attrape. J'avais oublié. Il reste peut-être une séquence alors. Ada. Better try a new trick, cause that one's getting old. Le petit couteau de creuseur. You okay? I've been better. Je suis le méchant et je rigole. Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. J'ai tellement tiré dans ton œil, gros. Stand back. Putain, y a du gameplay. Je suis censé faire quoi, moi? Quoi? C'est quoi cette arnaque? J'avais totalement oublié. Bon, 2 minutes. Oh, vous allez pas me faire chier longtemps, hein. Fini de rigoler. C'est fini, les blagues. Fini les blagues. Allez, par contre, vaudrait mieux que je me mette un poil plus près de façon à pas prendre de dégâts, mais à ne pas avoir l'animation de rechargement de l'arme. Voilà, c'était en pleine tête, ça me fait plaisir. C'est quoi qu'ils comprennent pas, non? Vous allez pas me faire chier longtemps. Des balles. Flèche d'arbalète? Non, c'était trop demandé. Excusez-moi. C'est drôle, c'est que je fais ça à côté d'explosifs, mais pff, rien à battre le jeu. Et j'avais complètement oublié cette séquence. Hein. Je crois qu'il faut vraiment aller vite, hein, parce que sinon... Genre le timing est hyper serré. Plaît-il? Tiens, dans ta gueule. L'avantage, c'est qu'il y a tellement d'obstacles qu'eux, ils peuvent pas faire. Et du coup, j'ai juste à courir avec... On va te faire enculer, cordialement. Bisous. Toi aussi. Et voilà. Ça va, 30 secondes d'avance, on est pas mal plutôt. Plutôt, l'ami de Mickey. Non, plutôt c'est le chien de Mickey. Voilà. Léon. Et ça c'est vachement cool parce que du coup on se demandait comment l'arriver là. En plein dans ta bouche. Le truc résistant quand même, parce qu'ils sont une grenade dans la bouche. Une roquette dans la bouche, alors ok ça le flingue la tête et tout, mais elle est toujours là. Genre c'est du costaud, c'est Luke Cage. D'ailleurs la question que je me pose c'est Luke Cage, est-ce que si on lui tire dans l'œil il meurt ou pas? Je crois qu'à un moment, dans le Jessica Jones, pour enlever le sang de sa commotion cérébrale, il lui met une seringue en dessous de l'œil. Peut-être que si on tire dans son œil, je sais pas. You do know what this is. YOLO. J'ai complètement oublié, n'empêche, l'histoire du lance-roquette. Enfin, qu'il fallait qu'on aille le chercher. Et on se rend compte que si j'avais pas plein de flèches d'arbalète, j'aurais dû tuer tous les ennemis. Enfin non, je les aurais fait tomber, je me serais barré. Mais ça va quoi, j'ai mis quoi, 17 flèches d'arbalète pour le tuer, Sadler. C'est la fin du jeu. Dommage que les cinématiques soient aussi dégueulasses.
Je vois pourquoi ils les ont pas. C'est même pas que c'est pas remasterisé, c'est juste que. Parce que moi sur ma télé à l'époque elle était beaucoup plus grande que cet écran, elles étaient plus belles. Merci Toshiaki. Là, je croyais que c'était que 3 à l'avoir codé, je fais. Sérieux. Voilà, garde-robe complète parce que c'est en faisant ça qu'on débloque le meilleur costume du jeu. Je suis mort 3 fois. Je suis mort 2 fois contre Saddler. Non, une fois contre Saddler et une fois contre Crozer. Voilà, 300 000 hein, quand même. C'est-à-dire que 300 000, c'est à peu près tout ce que j'ai à faire. C'est vrai, comme si je refaisais tout le cycle pour l'acheter. Donc vu que c'est pas terrible, c'est par Edgeways, ça vaut pas le coup. Je vais vous montrer The Mercenaries. Je vais pas jouer parce que ah mais non, mais j'ai pas les persos. Hunk qu'on voit là, donc Léon, Ada, Crozer, Hunk et Wesker. Hunk est trop bien. Hunk est vraiment trop bien avec son TMP, il est trop fun à jouer. Bah, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette partie du let's play vous a plu. Voilà, maintenant moi tout ce qui me reste c'est à faire le jeu en professionnel avec le deuxième costume, parce qu'en fait dans le deuxième costume, Ashley a une armure, elle est littéralement invincible. Parce qu'elle est trop lourde pour que les ennemis puissent la prendre. À chaque fois qu'ils vont essayer de la kidnapper, ils vont tomber au sol. En gros, c'est le moyen de faciliter toute la partie gestion d'Ashley. Donc c'est plutôt pas mal la première fois qu'on fait le professionnel. Moi, comme ça fait plusieurs années que j'ai pas fait le professionnel, je le ferai avec ça. Voilà. Je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu, et salut à tous.